this, you crazy mother. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bien sympathique des familles. Aujourd'hui, on va se faire un peu de die and retry. J'ai commencé avec Mr. Shifty, je me dis qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin. Moi, j'aime bien quand il y a de la chic et du molard. Et le petit jeu que je vais vous présenter, justement, bah, il se trouve qu'il y en a de la chic et du molard. Et c'est pour ça que je le kiffe. Et le petit jeu dont je vais vous parler, bah, c'est simple, c'est Super Meat Boy. C'est un petit jeu qui est sorti en 2010. Donc aujourd'hui, à date où je vous fais cette petite vidéo, on est le 21 mai 2017, donc c'est 7 ans plus tard. Donc pourquoi je mets 7 ans à en parler? Parce que déjà, de base, on n'avait pas de chaîne il y a 7 ans. Hein, plus compliqué. Et parce que ces petits jeux comme ça, moi je les aime bien. Je les trouve agréables, je les trouve rafraîchissants et c'est pas prise de tête. Donc Super Meat Boy, développé par la team Meat. Il doit tourner actuellement sur à peu près toutes les machines sauf la Switch. Je crois qu'il est sur PS4, bah, celui que je vais vous présenter là. Justement, c'est. Vous voyez à côté, tac. Tu vois à côté là. C'est la PS4. Donc voilà, donc forcément il est dessus. La Xbox One, je crois qu'il y est aussi. Il y a la PS Vita, la Wii U, je crois aussi qu'il est dispo. La 360, macOS, Android, machin. Donc tout fonctionne. Pour le moment, il n'est pas encore dispo sur Switch, mais ça ne saurait tarder, quoique peut-être un peu trop sanglant. Donc pour Nintendo, je ne sais pas. À voir. Donc bah, c'est un petit jeu flash, comme on en connaît des tas et des tas, quoi. Donc trêve de plaisanterie. Je vous ai même fait un petit truc plutôt sympathique. Voilà. C'est champêtre. J'ai mon copain à côté. Ah, alors. J'ai toujours un peu de mal à côté, ouais, voilà. Qui nous fait un petit pouce parce qu'on va mourir. On va mourir souvent. Donc ça va être une petite vidéo très très rapide, hein. Je pense que je ne vais pas vous emmerder plus de 15 minutes. C'est juste histoire de que vous vous rendiez compte qu'il y a des petites pépites parfois qui ne coûtent pas forcément très très cher sur les PlayStation Store, Xbox Store, enfin un marché de chez Xbox. Et c'est des petits jeux où c'est rapide, en vous lancez ça... quoi, je sais pas, vous avez 15 minutes à perdre, vous êtes dans les transports en commun. Moi je sais que généralement c'est des jeux que je fais souvent quand je suis dans le train ou autre, ou quand je suis en train de faire caca, ou quand je suis en... Enfin après ça ne vous regarde plus, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc je sais que moi ces petits jeux là je les aime beaucoup parce que vous pouvez les lancer, vous faire un petit 15-20 minutes de jeu et puis voilà quoi. Donc là ce que vous jouez en fait c'est un petit bonhomme qui a la particularité d'être une sorte de boule de sang. Regardez, tac, vous voyez. Je laisse du sang, de l'hémoglobine un peu partout. Et le but, c'est de réussir à chaque... Enfin, de faire de chaque niveau, quoi. Donc là, récupérer la princesse. Un peu à la manière d'un Zelda ou d'un Mario, où il faut tout le temps courir après la princesse, quoi. Donc, à chaque fin de niveau, en fait, on vous remontre toutes les tentatives que vous avez faites. Donc là, pour le moment, vous vous dites, putain, mais c'est quoi ce petit jeu de merde? Le mec, il n'y a pas de complexité. Il nous parle de Die and Retry. Qu'est-ce que tu veux mourir là-dedans? Arrête d'être médisant, Jean-Jean, tu vas voir, ça va se compliquer un peu juste après. Donc, là, vous voyez que déjà, il y a une scie qui est en train de tourner, donc autant vous dire que pour le moment, elle est protégée de la scie, donc on se la prend pas, mais ça va pas durer. Hein. Forcément, il y a un moment, elle va tourner et elle sera pas protégée par toute cette terre. Donc voilà, donc, tac, ah, lâchant que ça va commencer à se compliquer. Allez, donc vous pouvez courir. Tac, pour prendre de l'élan, là par exemple vous avez vu je suis mort comme une grosse merde. Hop, voilà, tac, on la récupère. Grade A+, parce que forcément j'ai été assez rapide et je suis pas mort 50 fois. Mais il y a des niveaux là, regardez. Vous voyez déjà qu'on commence à voir de plus en plus les scies. Donc autant vous dire que juste après, là, tac. Autant vous dire que juste après, en fait, les scies bah, vont être de plus en plus présentes dans le jeu.
Tac. Qu'est-ce qu'on a là? Paf, paf. Ah bah non, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, c'est peut-être... Tac, tac, tac. Donc parfois, il faut lutter un peu contre la gravité, mais ça va, ça se fait. Bon, là, je fais le con parce que forcément, en même temps, je vous parle. Donc, on va essayer de se concentrer, Guigui. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? On va aller récupérer. Hop. Ah, on l'a loupé. Tant pis. Niveau terminé. Allez, hop. Donc, vous voyez qu'il y a chaque fois, il y a un petit mec avec une cravate qui est juste à côté. Donc, autant vous dire que c'est le méchant qui capture la princesse. Qui n'est pas du tout d'accord avec ce que vous faites, d'aller la libérer. Hop, donc vous pouvez voir que là, ça y est, les six sont nettement visibles. Ça va commencer à devenir un peu tendu du cul. Là, vous voyez, là, tac. Hop, ouf, c'était un peu tendu, un peu plus, et je passais l'arme à gauche. Hop, hop, là, dis donc, bah, décidément. Niveau terminé, paf. Donc vous avez plusieurs types de niveaux, donc là vous voyez qu'on est dans une sorte de campagne un peu dangereuse, hein, parce que bon, les objets tranchants comme ça, autant vous dire que normalement c'est pas censé être visible quand vous vous baladez en campagne. Moi je vis en campagne et je peux vous dire que c'est... on n'a pas des scies qui traînent tous les coins de rue. Donc tac. Ah, bon là, ça y est, on commence à taper dans le lourd. Ah, merde, voilà. Hop. Non, alors, tac. Ah, je sais, je pense que je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez mourir plusieurs fois, et c'est pas parce que vous l'avez fait une fois, même deux fois, voire trois fois et 50 fois à ces niveaux-là, ça ne vous empêchera pas de mourir les fois d'après. Donc ce qui est marrant, c'est que là, par exemple, vous avez vu, je suis mort au moins 5-6 fois. Et... tac, non, en fait je vous montre sur ma télé, mais vous la voyez pas ma télé. Et donc vous voyez, tac, que c'est le nombre de tentatives que j'ai fait, et en fait vous voyez tous mes fantômes. Tac, donc le premier, paf, le deuxième, paf, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait fallait faire un saut plus large. Donc niveau suivant. Zut, zut, allez hop, on va aller récupérer la princesse. Donc vous voyez, en fait c'est pas forcément graduel le niveau de difficulté. Parce que vous pouvez en avoir fait un niveau très compliqué juste avant, et enchaîner sur un niveau extrêmement simple dans la foulée. Donc autant vous dire que c'est quand même assez inégal là-dessus. Mais bon. Vous verrez que de toute façon. Tac, voilà. De toute façon, le jeu à chaque fois vous rajoute des petits trucs en plus. Là par exemple, vous voyez, il y a des murs qui s'effondrent à votre contact. Donc voilà. Là je l'ai fait en un coup. Il faudrait que je tombe sur un niveau très très dur. Là où je pète un petit peu un câble, alors là par exemple, vous voyez que, et voilà, ça c'est bien, ça c'est un niveau que j'aime bien, vous voyez qu'en fait là, les surfaces s'effondrent sous vous, tac, il faut arrêter de vous causer, ah merde, bon alors là, autant vous dire que c'est plié d'avance, paf, voilà, ah merde, putain j'ai pas été assez rapide. Alors c'est bien parce que ça va être un niveau où vous allez voir que on va avoir plusieurs de mes morts à mon avis. Hop, voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc parfois c'est assez technique. Je sais que je l'avais découvert, c'était à l'époque sur PS Vita, et comme les touches étaient toutes microscopiques, c'était pas forcément super jouable. À voir sur un téléphone, j'ai jamais essayé sur un téléphone. À la manette, ça se joue très très bien, ça se prend très rapidement en main. Et parfois vous avez réellement envie de déboîter votre écran avec la manette tellement ça peut être compliqué quoi. Donc voilà, la princesse est là-bas, donc on va essayer de passer par là, hop. Allez, on avance mon pépère, tac, et hop. Vous voyez, juste après le niveau que je fais, autant vous dire que sur celui-ci je me balade quoi. Ce qui est pas un mal parce que vos doigts à un moment vous êtes assez crispés quand même, donc vous avez un petit peu marre. Tac, hop, alors, vite, vite. Alors, je sais que moi, il y a des niveaux où j'y ai passé, mais des heures et des heures, parce que, merde, décidément, j'arrive pas à m'échapper, cette putain de truc. Oui, vous pouvez passer des heures et des heures, parce que parfois, ça va se jouer sur un poil de cul, comme je le dis souvent. Et c'est, parfois vous avez réussi à passer un obstacle et bizarrement bah, vous bouffez l'obstacle juste d'après. Donc c'est
pas de chat. Mais bon. Donc le petit Super Meat Boy, là, le petit garçon plein d'hémoglobine qu'on voit là, cette petite créature. Tac, hop. Donc là, par exemple, vous voyez, hop, oula, c'était presque un peu plus j'y passais. 8. Ah, je suis là. Donc, voilà, vous voyez là, par exemple, pouf, pouf. Ça va commencer à devenir un peu, merde, un peu casse-couille. Tac, non, non. Putain de dieu. Non, ok, d'accord, next. Hop, voilà. Et parfois c'est un peu... Putain de chiasse. Wop. Ah ouais, alors ok. On va essayer de passer en one shot. Ok. Ah oui, alors d'accord, j'ai compris. Il va falloir qu'on passe par là. Hop. On va essayer de la jouer sécure. Hop, voilà. Bon. Merde. Bon, c'est pas passé. Là, c'est bon, c'est passé. Hop. Ah, merde. Bon, là, c'est pas passé du tout. Donc, parfois, vous pouvez essayer plusieurs techniques. Hein. Il y en a qui font autrement. Hop. Et ils y arrivent tout aussi bien. C'est un peu comme vous le sentez. Il y a plusieurs façons de réussir le niveau. C'est votre timing, c'est vous qui voyez. Donc... je sais que j'aime bien. Là, par exemple, vous avez vu, j'ai essayé de passer par la droite. Bon, j'ai pas réussi. Je me suis pas acharné. Je suis passé par la gauche, quoi. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont réussi à passer par la droite. Bon, alors là, par contre, ça va être tendu du cul. Merde, c'est mort. Et moi, j'adore, c'est quand les niveaux, vous avez paumé au moins une bonne cinquantaine de fois. C'est maculé de sang sur le truc. Merde. Oh, bah, décidément. Et je trouve que les animations sont toujours assez drôles. Elle est mort assez sanglante. Niveau terminé, oui, voilà, c'est bon. Hop. Merde. J'ai pas pris un bon timing. Hop. Allez. On va essayer de passer par là. Et on va aller faire un one shot. Oh putain, un peu plus et c'était mort. Hop. Oh putain, dommage. Ah, il y avait de l'idée. Alors là, j'aime bien parce que je me rappelle plus trop de ce niveau-là, donc il va falloir réimproviser un peu. Hop. Hop, ça passe. Oula. Oh merde, j'ai glissé. J'ai glissé, chef, j'ai glissé. Putain de dieu. Vas-y, passe. Je vais quand même pas mourir tout le temps devant vous, quoi. Mais à un moment, vous allez vous dire, putain, ce mec est une burne, il meurt tout le temps, quoi. C'est pas fou en plus. C'est peut-être pour ça que je les aime bien. J'ai peut-être un côté sado, mais j'aime bien ces petits jeux-là parce que justement, faut un peu lutter contre soi. Et moi, je sais que je suis pas très bon à ces jeux-là, mais justement, comme il faut s'acharner, moi, je suis quelqu'un qui, quand on veut, quoi, je lâche rien. Donc, tac, on va passer. Merde, bon, on a mal géré. Tac. Ok. Alors un coup je me bouffe le mur avant, un coup je me le bouffe après. Tac, bon. Là c'est bien parce que du coup vous allez voir, comme je suis mort plusieurs fois, vous allez vraiment voir la map maculée de sang à force. Whoop. Allez, va boire tes règles. C'est un peu dégueulasse ce que je dis. Bon, d'un côté c'est la fin du week-end. C'est sympa. Ah putain, vas-y, passe. Tac. Ah merde. Hop. Ah putain, je glisse encore. Décidément, ça veut pas passer. Et ouf, ça s'est joué à pas loin. Un peu plus, je remourrai. J'arrive pas à me coller dessus là. Voilà. Bon. Tac. Oula, c'était pas loin là non plus. Hop. Bon, alors là, le niveau est long, hein. C'est prudemment. Merde. Ah non, j'y étais presque. Dommage. Donc quand c'est comme ça, forcément, le niveau recommence à zéro. Hop. Et vous l'avez dans le baba. Un peu comme en ce moment. Ah merde, décidément. Alors, le truc, c'est que je vois pas, comme j'ai eu la bonne idée de foutre le micro au bout de la télé.
Merde. Et vous allez vous dire, putain, le mec se cherche des excuses parce qu'il est pas bon. C'est pas faux. Je vous raconte ma vie. Allez, hop. Ah, merde. Bah, décidément, Guigui. Oh. Oh, Destiny, là. Allez. Timing, on analyse. Oups. Là, ce qui serait bien, c'est d'avoir les pouvoirs de... du prince de Perse pour pouvoir ressusciter, enfin faire un petit coup de dague et revenir quelques secondes un peu avant là pour plus se planter décidément. On va juste hop. Ah merde, putain, j'arrive. Un coup je le chope, un coup je le chope pas ça. Est-ce que je peux pas essayer de passer en comme. Ouais, pas mal Guigui, y'a de l'idée, y'a de l'audace. Hop. Voilà, on va essayer de pas se planter ici. Hop. Et hop. Bon. Putain de merde. Donc vous pouvez voir, regardez toutes les tentatives que j'ai faites. Là, il y a tous mes fantômes qui sont en train de s'exciter. Pouf, 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 pouf. Tac. Jusqu'à celui qui va réussir à aller jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez un peu analyser toutes les façons que vous avez essayé de faire avant de réussir à atteindre l'objectif final. Donc, tac, lui, il s'en tire plutôt pas mal, le premier. Alors, attends, lequel c'était qui a réussi? Je crois que c'est le deuxième. Ah non, c'est le premier. Ah bah oui. Donc voilà. Je ne sais même pas combien de temps on en est dans cette vidéo. Je vais peut-être essayer de faire un ou deux petits niveaux de plus, et puis après, je vais vous foutre la paix, les moustiques, parce que bon, le but, c'est quand même pas de vous occuper pendant des heures et des heures, on nous reproche suffisamment le format long qu'on vous propose, donc justement on va essayer de faire court et de commencer. Donc niveau suivant, tac, merde, bon, ça commence pas bien. Hop, de la putain. Bon, alors va falloir analyser. Hop. Oh, non merde putain, décidément. En plus je commence à avoir une crampe. Allez. Ah mais pourquoi tu n'actives pas le saut, bordel? Bon, on se concentre. À cœur vaillant, rien d'impossible. Le combat n'est pas fini tant que la cloche n'a pas sonné. Et c'est Rocky qui le dit, donc c'est que c'est vrai. Ah merde, putain. Ah, ça va être tendu du fion. Si on va y aller en comme ça. Ah non. Qui bordel de couilles. Bon. Hop. Bon, je pense que ce sera le dernier niveau en fait, hein, parce que à ce rythme-là, on va y passer des heures. Ah merde, putain. Alors, bah, ça c'est nous qui va bien se foutre de ma gueule, parce que lui aussi il aime bien ces petits jeux-là. Et non, putain, Guillaume, t'étais réellement mauvais sur ta partie. Et il n'aura pas tort. Vite. Tac. Hop. Ouh. Bon, on va s'arrêter là. Bon, les loustiques, alors, de quoi je peux vous parler? Ouais, je suis un mec des Master Geek, donc de quoi je peux vous parler? Bah, je ne peux que forcément vous parler de notre page Master Geek sur Facebook, que je t'invite à rejoindre et que je t'invite à faire profiter tes amis, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui profite des bénéfices de ces superbes vidéos qu'on vous produit à un rythme quasiment du cinéma, quoi. C'est même le plus grosse prod. Qu'ont par exemple tout ce qui est J.J. Abrams et compagnie envie un peu le rythme de production des Master Geek. Hein. À un moment, faut jouer carte sur table et dire que bah, voilà, on est un peu le Master Geek Production. Donc voilà, donc je vous invite à rejoindre, j'arrête mes conneries, et je vous invite à rejoindre notre page Facebook Master Geek où on vous présente. Qu'est-ce qu'on vous présente? Bah, déjà, vous voyez mes amis, hein, mais je pense que vous n'en avez rien à secouer. Non, c'est pas ça. Bon, alors je pensais que je pouvais baisser, mais si ça se trouve, je peux même pas baisser. Donc, assis tête là. Alors attendez, c'est le moment où tout le monde attend.
Non, oui, c'est bon, je peux bien un peu baisser. Donc nous sommes actuellement à 321 abonnés, mais on pense qu'on peut faire mieux grâce à toi derrière ton écran. Je sais que tu peux aller cliquer et dire putain, je vais aller rejoindre les Master Geek. Parce qu'ils sont sympas ces mecs-là, et en plus parfois ils disent des trucs drôles. Et parfois ils disent des conneries, mais bon, ça arrive. Tout le monde d'un côté, si on me dit enfin, il n'y a que ceux qui ne disent rien qui ne se trompent jamais. Mais donc voilà, donc je vous invite à rejoindre cette superbe page Facebook alimentée. Par nos community managers, Lucille et Mélissa. Nous, parfois, on vient un peu checker aussi, si jamais tu écris un petit commentaire, si on se sent concerné, on vient en réponse, on se dit tiens, tac, tac, tac. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu plus d'interaction avec vous, donc t'hésites pas, Jean-Jean, tu viens de nous rejoindre sur Facebook, et forcément, la plateforme, The Platform, celle sur laquelle vous nous retrouvez, et peut-être même par laquelle tu nous découvriras, YouTube. YouTube. YouTube is the avenir, ou pas. Y avenir ou pas? D'ailleurs, c'est peut-être même pas y avenir que ça se dit. Donc, nous sommes actuellement 173 et on sait qu'on peut faire mieux. Oui, je te ressors le même couplet que ce que je viens de te faire pour Facebook, hein. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, nous on t'invite à nous rejoindre sur YouTube, à inviter des amis à nous rejoindre. Et puis voilà, donc si jamais tu apprécies un peu les vidéos qu'on fait, hein, donc là j'ai pas mes collègues, mais d'habitude j'ai mes collègues Anto et Ringo et même Comar qui sont là et qui m'assistent dans les vidéos, hein. Mais bon, on s'est dit qu'on allait faire un peu plus de vidéos, qu'on allait vous proposer. En plus, on a investi dans une petite cam, donc tu t'en fous, mais du coup ça nous permet d'être un peu plus large sur les vidéos, on peut chacun tourner comme on veut. Donc voilà, donc là je sais que dernièrement, qu'est-ce qui est tombé? On vous a fait une petite vidéo avec l'ami Ringo sur Heroes of the Storm. Donc c'est une petite vidéo, je vous dis petite vidéo, mais c'est plutôt une grande vidéo, hein, quasiment 1 heure je crois. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres petites vidéos. Il y a Mister Shifty là qui en upload, qui va pas tarder à arriver. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Bah, la Scorpio est-elle la dernière cartouche de Microsoft? Question, peut-être que oui, peut-être que non. Bah, tu veux la réponse? Faut que tu aies un petit rapport consenti avec le clic de ta souris et le lecteur player de YouTube. Donc, si tu veux savoir un peu ce qu'on en pense, nous, on t'a marqué tout ça. Enfin, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le podcast du mois dernier, où c'était principalement axé sur le 3, nos attentes, nos rêves pour le 3. Et c'est à peu près tout. Enfin, après, t'es comme au supermarché, t'es comme chez toi, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu le sens. Moi, je vous fais des poutous partout. Oh, this you crazy mother.